Déjà au cœur d'un grave scandale après le terrible accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier, Pierre Palmade est aussi accusé de détenir des vidéos pédopornographiques. L'affaire Pierre Palmade a pris un tout autre tournant. Les Français pensaient avoir connu le comble de l'horreur en apprenant que les trois victimes de l'accident provoqué par l'humoriste étaient entre la vie et la mort. Leur sentiment n'a fait que s'accentuer lorsqu'ils ont appris que le bébé de la passagère, qui était enceinte, est décédé. Ou encore que l'ancien incolide de Michel Larocque était sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits. Mais alors que la police enquête sur les circonstances du drame et les pratiques de Pierre Palmade, ce dernier fait l'objet de nouvelles et graves accusations. De son côté, l'humoriste, lui, affirme qu'il ne s'agit que d'un tissu de mensonges. Comme vous le révèle votre magazine, voici, en kiosque ce vendredi 24 février, il nie fermement les accusations de pédopornographie dont il fait l'objet. Il est au fond du gouffre, dans un état lamentable, il jure que tout est faux, nous confie l'un de ses proches. Reste à voir ce que conclura l'enquête de la police. Très discret sur sa vie privée, Pierre Palmette s'amusait, en septembre 2022, sur son compte Instagram à évoquer sa situation amoureuse, alors, j'ai décidé de porter un poule jaune cocu, parce qu'au moins, on se dit que je suis en couple. Vous voyez? Je trouve ça plus triste d'être célibataire que d'être cocu. J'arbore fièrement ce poule jaune cocu. Je suis peut-être un mari trompé, mais je ne suis pas seul dans la vie, voilà ce que veut dire ce poule. S'il parlait d'un homme dans ce poste, l'humoriste aura également été marié à une femme en 1995, il s'agit de la chanteuse Véronique Sanson. C'est la femme avec laquelle j'ai cru que je pouvais vivre une belle histoire d'amour hétérosexuel. Avec elle, « Je suis allé au bout de l'aventure », avait-il avoué en 2015, interrogé dans l'émission Lundi en Histoire, sur son mariage avec l'artiste. Et c'est notamment sur cette relation, très controversée à l'époque, que ce dernier est revenu dans la boîte à secrets de Faustine Bollard. La qualité partenaire de scène de Michel Larocque a confié « Ça me rappelle mon vrai mariage avec Véronique Sanson que j'ai aimé très fort pendant quelques années. Ça a été un vrai coup de foudre ». Bien sûr, j'étais homo mais je m'ennuyais, je ne rencontrais aucun homme qui m'intéressait. Et tout en étant homo, j'ai rencontré cette femme passionnante et je me sentais moins seul avec elle qu'avec un autre homme. Et d'ajouter, aux côtés du gaufret et Chantal Ladezou, je me suis dit non, tout homo que je suis, je veux vivre une histoire d'amour avec elle, à côté d'elle, j'étais moins seul et elle a tout accepté. Pierre Palmade, ému de revenir sur cette période, confie également sur le plateau de France 3, J'étais amoureux et ensuite on est redevenus amis. Les deux célèbres ex sont finalement restés en bon terme et Pierre Palmade a donc retrouvé ses premiers amours, les hommes.